السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد الذي من خلاله نهدف إلى خدمتكم ومساعدتكم على النجاح والتألق. اليوم هذه الحصة غتكون مخصصة للامتحانات الجهوية اللي عندها علاقة مع لا سين 3 اي 4 ديال أنتيغون. في لا سين 3 عندنا أنتيغون لا نوريس إسمان، وفي لا سين 4 غتبقى أنتيغون وإسمان فقط. دونك تنسميها اون سين دو برومي فاس ا فاس دانتيغون. اذا اجوردي غنشوفو خمسة ديال الامتحانات جهوية. On va commencer par l'examen régional de Rabat 2011, puis l'examen régional de Tanger-Tétouan 2009, après l'examen régional de Rabat 2014, après, bien sûr, l'examen régional de Marrakech 2013, et enfin l'examen régional de Sousse-Massa 2012. Donc, هاد الامتحانات متبعة على حساب l'œuvre. وفي واحد المجموعه ديال لي كيسيون اللي تتعاود وغادي نلقاوها دائما في الامتحانات، واكيد على الاقل واحد 75% ديال الاسئله تتعاود وقتاش ما تعطاتنا لا سين 4 ولا لا سين 3 دو انتيغون. اذا بقاو معنا حتى الاخر وان شاء الله غادي تستافدوا مزيان. على بركه الله بليكزام ريجونال دو رابا 2011. Donc, nous avons le texte. Alors, tu vas là, Ismen, Antigone ou la nourrice. Donc, trois personnages. Alors, Ismen, tu es déjà levé? Je viens de ta chambre. Antigone, oui, je suis déjà levé. Je ne dis pas, je connais Soulette. Ismen, Soulette, Antigone. La nourrice, toutes les deux alors? Toutes les deux, vous allez devenir folles et vous levez avant les servantes. Les servantes, les bonnes, avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeun? Alors, à jeun, yani bakima waklin, welo. Alors, d'être debout le matin à jeun, jette-moi le verbe jeûner, hiya, mawaklin, welo, saimi. Que c'est convenable pour des princesses, vous n'êtes seulement pas couverte. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Antigone, laisse-nous nourrice. Il ne fait pas froid, je t'assure. C'est déjà l'été. Va nous faire du café. Donc, elle s'est assise soudain, fatiguée. Donc, là, c'est Antigone et Glycette. Elle s'est assise soudain, fatiguée. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou. Cela me ferait du bien. La nourrice, ma colombe. Alors, la colombe, ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Chihajasrona. Elle sort vite. Chkon, na. La nourrice, c'est la nourrice qui sort vite. J'étais déjà le cousin. Ismen. Donc, Ismen ou Antigone. Tu es malade? Ce n'est rien, un peu de fatigue. Elle sourit. C'est parce que je me suis levé tôt. Ismen. Non, moi non plus, je n'ai pas dormi. Antigone sourit encore. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Alors, Antigone sourit encore. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Regardez l'importance accordée à, bien sûr, la beauté d'Ismène par Antigone. Ismène, ne te moque pas. Antigone, je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je dis barbouillais de terre, elle est Antigone qui était leur travail là, Ismène. Je te barbouillais de terre,
Je te mettais des vers dans le cou, les vers au mois d'août, les vers dans le cou. Une fois, je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Elle caresse les cheveux d'Isven. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Ismène soudain. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Antigone doucement, sans cesser de lui caresser les cheveux. Je ne parle pas d'autre chose. Ismène, tu sais bien, tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Tu es folle. Ismène, l'Antigone, tu es folle. Tiahamka. Oui. Ne nous pouvons pas. Alors, ne nous pouvons pas, il y a l'anastater. Alors, donc, on passe aux questions. Alors, première question. Vous avez un tableau. Donc, admet le nom de l'auteur, c'est Jean Anouilh. Admet le titre de l'œuvre, bien sûr, c'est Antigone. Ou admet, bien sûr, le genre littéraire, Mityangulu, le genre littéraire ou le genre, on répond par pièce théâtrale ou la pièce de théâtre. Alors, deuxième question, situe le passage dans l'œuvre dont il est extrait. Situe le passage dans l'œuvre dont il est extrait. Alors, voilà la réponse. Ce passage est extrait de la pièce de théâtre intitulée Bi'unwan Antigone de Jean Anouilh. Il se situe dans l'exposition. Antigone est la sœur d'Ismène. Cette dernière a cherché sa sœur dans sa chambre, mais elle l'a trouvée avec la nourrice. Elle voulait lui parler. Donc, Ismène voulait parler à Antigone. C'est pour cette raison qu'il l'a cherchée. Alors, quel lien de parenté unie Antigone, unie Ismène à Antigone d'après ta connaissance de l'œuvre? Bien sûr, Ismène est la sœur d'Antigone. Alors, Ismène est la sœur aînée d'Antigone, la sœur aînée, l'kbira, urtuha l'kbira. Alors, mais au discours indirect, Ismène a dit à Antigone, j'ai bien pensé à ton idée pendant toute la nuit. J'ai bien pensé à ton idée pendant toute la nuit. Alors, bien sûr, quand on veut transposer une phrase au discours indirect, il y a une phrase qu'on doit retenir, c'est la phrase incise. Donc, Adna Ismen a dit à Antigone, ça ne change pas, donc Ranxua, et on examine la phrase entre guillemets. De quel type de phrase s'agit-il? Là, c'est une phrase déclarative. Donc, on va utiliser le subordonnant que. Ismène a dit à Antigone que, alors je connais je, c'est, ouais, c'est Ismène qui parle, dans quel, alors quel, j'ai, alors j'ai, l'auxiliaire au présent, donc, Radenardo, l'imparfait, qu'elle avait bien pensé, alors à ton idée, alors à ton idée, c'est l'idée d'Antigone, donc, Makinesh Antigone, donc Rangulo, à son idée, pendant toute la journée. Voilà la réponse. Ismène a dit à Antigone qu'elle avait bien pensé à son idée pendant toute la nuit. Question suivante. En disant, vous allez encore me prendre mal. La nourrice veut dire, quel est le sens de la phrase, vous allez encore me prendre mal. Alors, on a trois, quatre, réponses. Alors, soit vous allez me rendre malade. Ou là, vous êtes malade, vous deux. Ou là, vous me prenez pour une malade. Ou là, vous allez tomber malade. Quelle est la bonne réponse? Recopie la réponse de ton choix. Bien sûr, la réponse, elle est claire. Vous allez tomber malade. Question 6. En t'aidant de ta connaissance de l'œuvre, fais correspondre les lettres A, B, C et D à la mention vrai ou faux. Donc, voilà, donc il y a un tableau. Information concernant les trois personnages du texte.
Et on va répondre, est-ce que c'est vrai ou la faux? On commence par la première phrase. Ismène vient voir Antigone parce que cette dernière est malade. Absolument pas. Donc c'est faux. Antigone n'est pas malade. Deuxième phrase. La nourrice ignore, Tejhel, la raison pour laquelle les deux filles se sont levées avant tout le monde. Oui, c'est vrai. Elle ne sait rien. Ma phrase en est out. Alors, c'est Antigone est fatiguée parce qu'elle vient d'accomplir son devoir seule. C'est vrai, bien sûr. Antigone est sortie enterrer son frère toute seule. Et D. Alors, Ismène informe Antigone qu'il est d'accord avec elle pour agir ensemble. C'est faux parce que Ismène n'est pas d'accord. Donc, c'est faux. On passe à la question suivante. Relève la phrase qui correspond au jugement adressé par Ismène à Antigone vers la fin du texte. Bien sûr, c'est un jugement négatif, dévalorisant, parce qu'il lui a dit « tu es folle ». Donc, c'est un jugement dévalorisant. Alors, pourquoi Ismène annonce-t-elle à Antigone « ne nous pouvons pas » Allez, je vais dire « ne nous pouvons pas ». Ne nous pouvons pas quoi, Beda? Ne nous pouvons pas enterrer Polynice. Polynice. Parce que c'est interdit par le roi. Donc c'est un crime. Car Créon l'a interdit, donc c'est un crime puni par la loi. Alors que penses-tu du comportement de la nourrice à l'égard des deux filles? Justifie ton point de vue. Alors là, on va parler de la nourrice et de son attitude à l'égard d'Antigone et d'Ismène. Alors voilà une réponse possible. À mon avis, la nourrice a le sens du devoir. Car non seulement elle joue son rôle de nourrice, mais elle a remplacé à merveille leur mère, Jocaste. Donc elle a remplacé à merveille leur mère, Jocaste. 10. Que penses-tu de la réaction d'Antigone face à la décision de son oncle d'après la suite de la pièce? Justifie ton point de vue. Je répète. Que penses-tu de la réaction d'Antigone face à la décision de son oncle d'après la suite de la pièce? Justifie ton point de vue. Je crois que voilà une réponse possible. Personnellement, je trouve qu'Antigone est déterminée à faire son devoir malgré l'interdiction du roi. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de la mort qu'elle risque pour enfreindre sa loi. Donc, Antigone sait ce qu'elle fait. Et sait qu'elle risque la mort et malgré cela, il va faire son devoir. Alors, pour le sujet de production écrite, juste pour avoir une idée sur les types de sujets qu'on peut rencontrer, dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, Sidi Mohamed n'a pas d'amis. En ce qui te concerne, es-tu de ces jeunes qui pensent qu'il est important d'avoir des amis ou au contraire de ceux qui pensent qu'avoir des amis est une source de problème dans ton point de vue en le justifiant par des arguments de ton choix. Et on passe au deuxième examen régional, donc c'est l'examen de ton GT2 en 2009. Alors, le texte. Alors, à partir des noms, on peut voir qu'il y a Antigone et Ismène et on comprend que nous sommes dans le premier face-à-face d'Antigone avec quelqu'un. Alors, le premier face-à-face va opposer Antigone à sa sœur Ismène. Donc, Antigone doit affronter Ismène dans un premier duel verbal. Ismène, j'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Antigone, oui. Ne nous pouvons pas. Antigone, après un silence de sa petite voix, pourquoi? Ismène, il nous ferait mourir. Antigone, bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous, nous devons aller enterrer notre frère. Comme c'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir, ma bridge n'mout. Antigone, doucement, moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Ismène, écoute. J'ai bien réfléchi toute la nuit.
Je suis l'aîné. Alors, l'aîné, yani, ana hiya al-kibira. Alors, l'aîné, hiya al-kubra. Je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré. Alors, on va expliquer ça tout à l'heure. Je réfléchis. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Voilà, on passe aux questions. Alors, la première question. Alors, recopier et compléter le tableau suivant. Alors, Edna, l'auteur, c'est Jean Anoui. Vous avez la date et lieu de naissance, 1910 à Bordeaux. Date de décès 1987, la mort, ou Edna, une autre œuvre du même auteur, par exemple La Sauvage. Donc La Sauvage, qui est l'hermine, qui est le voyageur sans bagage, qui est une Eurydice. On passe à la deuxième question. Pour situer cet extrait, répondez aux questions suivantes. Qui est Antigone par rapport à sa sœur, à Ismène, relation familiale. Donc c'est sa sœur. B. De quel frère parle Antigone? Bien sûr, elle parle de Polynice. Alors, qu'est-il arrivé à ce frère? Il est mort. Alors, il est mort, tué par son frère Éthiocle. 3. À qui renvoie le pronom lui dans l'énoncé suivant? Lui, il doit nous faire mourir. Lui, ici, c'est Créon, le roi. Alors, 4. Pour Antigone, enterrer ce frère est une révolte contre la loi, un devoir envers son frère ou là une manière de s'opposer à Ismène. Bien sûr, on peut évoquer une réponse d'Antigone lorsque Créon lui a demandé pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Donc c'est un devoir. Donc c'est la réponse B. Un devoir envers son frère. Wajib tujaha khuha Polynice. Un devoir. Recoupez et complétez ce tableau opposant Antigone à Ismène en vous référant au texte. Alors, elle agit sans réfléchir. Elle agit sans réfléchir. Je connais IA. Elle est l'aînée. Je connais IA. Son jugement n'est pas équilibré. Je connais IA. Donc, vous avez un tableau que nous allons compléter. Donc, Adna Antigone, Adna Ismène. Ou Adna, donc, elle agit sans réfléchir. Alors, il y a Antigone. Elle est l'aînée, le Kibira, il y a Ismène. Son jugement n'est pas équilibré, c'est Ismène. Ou la dernière, j'aurais aimé ne pas mourir, c'est Antigone. Voilà, on passe à la question 6. Recoupez et complétez la phrase suivante en nominalisant le verbe mis entre parenthèses. C'est comme ça que ça a été distribué. Alors, le nom qui vient de distribuer, c'est la distribution. Donc, la distribution des rôles a été. Donc, la distribution des rôles a été comme cela. 7. Toi, c'est ce qui te passe par la tête et tout de suite. Dans cet énoncé, le segment souligné appartient au niveau de langue soutenue, courant, familier. Recoupez la bonne réponse. Bien sûr, c'est le niveau courant. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la mort. Alors, vous avez mourir et vous avez enterrer. Mourir, enterrer. 9. La pièce de théâtre Antigone est une tragédie.
Une comédie, un drame. Recopiez la bonne réponse et justifiez votre réponse. Alors, c'est une tragédie car certains personnages meurent à la fin. Puisqu'on a moins des personnages qui vont mourir à la fin, Edna est Antigone, Edna Aemon ou Edna Eurydice. Donc, le dénouement est tragique. Alors, pour le sujet de la production écrite, regardez, vous avez, on entend souvent dire autour de nous que dans toutes les familles, il y a des problèmes et des conflits entre les sœurs ou les frères. Partagez-vous cette opinion, développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des réflexions et des exemples précis. Et on continue avec le troisième examen régional, c'est l'examen régional de Rabat 2014. Et voilà donc le texte, et c'est toujours la scène entre Antigone et Ismène. Donc, le premier face-à-face d'Antigone avec Ismène. Ismène, écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit, je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête et tout de suite, et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré, je réfléchis. Antigone, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone, d'abord c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu mon oncle. Antigone, moi je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple. Moi, ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Ismène, allez, allez, tes sourcils joints, t'en regardes droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Antigone, je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante, à la belle et fuyante eau froide parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre. Courir, courir dans le vent, jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Elle achève doucement. Si je deviens vieille, pas maintenant. Ismène. Il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi, ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Et on passe aux questions. Première question, recopier et compléter le tableau suivant. Alors, le tableau, vous avez l'auteur. Bien sûr, c'est Jean Anouilh. Alors, vous avez le titre de l'œuvre, vous le connaissez parfaitement, c'est Antigone. Alors, le genre littéraire, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Alors, quand on dit le genre ou le genre littéraire, la réponse est pièce de théâtre ou la pièce théâtrale. Et bien sûr, la date de la première représentation, c'était en 1944. Donc, elle a été jouée pour la première fois en 1944. Situez ce passage dans l'œuvre dont il est extrait. Donc, la situation du passage, regardez. Créon a interdit l'enterrement de Polynice, considéré comme un traître. Antigone veut enterrer son frère par devoir. Mais Ismène, qui a beaucoup réfléchi, essaie de convaincre et de persuader sa sœur de ne pas le faire. Je répète. Alors, Créon, qui a interdit l'enterrement de Polynice, considéré comme un traître, et Antigone veut enterrer son frère par devoir, mais Ismène, qui a beaucoup réfléchi, essaie de convaincre et de persuader sa sœur
de ne pas le faire. Alors, question 3, d'après votre connaissance de l'œuvre, recoupiez et reliez par une flèche chaque indication de la colonne A à l'information qui lui correspond dans la colonne B. Donc, il y a un tableau. Alors, dans la colonne A, on a l'indication. Dans la colonne B, vous avez l'information. Alors, première phrase, Éthiocle et Polynice. Accord entre les deux frères. L'accord ou l'ittifaq, l'origine du conflit, le conflit ou asera an-nizaa. Donc le conflit ou asera an-nizaa. Vous avez des conséquences, netija. Alors, Adna, un Éthiocle a refusé de céder le pouvoir. Les frères se sont entretués. Éthiocle a été le premier à régner pendant une année. Je connais le Éthiocle. 4. Ils sont tous les deux fils d'Œdipe. 5. Ils devaient régner sur Thèbes un an chacun. Nous devons la première, donc la première, Éthiocle et Polynice, je connais Omar, ils sont tous les deux fils d'Œdipe. Tania, accord entre les deux frères, Éthiocle ou Polynice. Alors, vous avez, ils devaient régner sur Thèbes un an chacun, donc Tifar, ils devaient régner sur Thèbes un an chacun. Malik, Sena, ou et bien sûr, Tifar Tenefi, Éthiocle a été le premier à régner pendant une année. Donc, je connais le Malik ou Éthiocle. Alors, l'origine du conflit. Éthiocle a refusé de laisser le pouvoir. Je répète, Éthiocle a refusé de céder le pouvoir. Conséquence, les frères se sont entretués. Éthiocle, Polynice, ou Polynice, Éthiocle. Alors, tu me suis la question 4. Ismène avise sa sœur. Guetlia, moi, je suis plus pondéré. Que signifie cette phrase? Je suis plus pondéré. Wesh, moi, je suis plus intelligent. Wesh, je suis plus hésitante. Je suis plus prudente. Ou là, je suis plus courageuse. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est je suis plus prudente, méfiante. Hadira. Alors, relevez quatre arguments utilisés par Ismène pour convaincre sa sœur. Ismène essaie de convaincre sa sœur de ne pas enterrer Polynice. Il a utilisé des arguments. Voilà ses arguments. Je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Premier argument. Deuxième, je suis plus pondéré. Je réfléchis. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Ou alors, il est plus fort que nous. Antigone, il est le roi. Donne-moi les quatre arguments. Je répète. Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Je suis plus pondéré, je réfléchis. Troisième, il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Ouana, il est plus fort que nous. Antigone, il est le roi. Question 6. Que traduit l'emploi dominant de la négation dans les répliques d'Antigone? Dim Antigone Tadboul. La négation, je ne veux pas comprendre, il ne faut pas que je donne l'exemple moi, etc. Alors, que traduit, bien sûr, Antigone est obstinée, Anida. Elle refuse le dialogue. Antigone refuse le dialogue. Transformé au discours indirect, Antigone a répondu, je comprendrai quand je serai vieille. Alors, bien sûr, on commence par retenir la première phrase, la phrase du narrateur liée à Antigone a répondu, où on essaie de voir, un type de phrase. Un point, c'est une phrase déclarative.
Donc elle se dit ou que Antigone a répondu que c'est Antigone, quel? Donc Antigone, quel? Comprendrait, c'est le futur. Alors le futur devient conditionnel, elle se dit. Quand elle serait, nous dit de Tétanie, le futur devient conditionnel, vieille. Voilà la réponse. Antigone a répondu qu'elle comprendrait quand elle serait vieille. 8. De quelle manière Antigone sera-t-elle morte à la fin de l'œuvre? Bien sûr, Antigone va mourir, mais de quelle manière? Bien sûr, elle sera enterrée vivante. Elle sera enterrée vivante et il va choisir de se pendre dans le trou. 9. Partagez-vous ce point de vue d'Antigone. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Justifiez votre réponse en deux phrases. Alors, à mon avis, Antigone a raison de dire cela car des fois on ne doit pas trop réfléchir pour ne pas perdre le temps et rater une occasion. Je répète, à mon avis, Antigone a raison de dire cela car des fois on ne doit pas trop réfléchir pour ne pas perdre le temps et rater une occasion. 10. D'après vous, laquelle des deux sœurs a le plus raison? Répondez en deux phrases. Est-ce que c'est Antigone qui a raison? Est-ce que c'est Ismène qui a raison? Alors là, c'est une réponse possible. Personnellement, je pense qu'Ismène a le plus raison, car l'enterrement de Polynice est une peine perdue, surtout que c'est interdit par le roi et leur frère est déjà mort. Et leur frère est déjà mort. Alors, voilà le sujet de la production écrite. Dans les œuvres au programme, Sidi Mohamed a des parents. Sidi Mohamed a des parents pauvres mais solidaires. Marie a une mère malade et un père emprisonné. Antigone a une sœur et un oncle avec qui elle est en désaccord. Quel est pour vous le meilleur exemple de famille? Présentez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples. Et on passe à l'examen régional de Marrakech 2013. Alors nous sommes toujours dans la scène entre Antigone et Ismène. Ismène, écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit, je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré, je réfléchis. Antigone, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone, d'abord c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple. Moi, ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Ismène, allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Antigone, je ne veux pas avoir raison. Mabrit, tu connais le haq. Ismène, essaie de comprendre au moins. Haoulit Femi, essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau froide parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Elle achève doucement. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville.
Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Antigone, je ne t'écoute pas. Ils nous hurlent, hué, donc ils nous hurlent, hué, je n'ai hué, il y a, ouh, hué, il y a, crié, ouh. Ils nous hurlent, ils nous prendront avec leurs 1 000 bras, leurs 1 000 visages et leur unique regard. Alors, allez, je gagne un unique regard parce que tous les gens auront la même vision. Ça veut dire qu'ils vont voir Antigone comme une criminelle qui mérite la punition. Ils nous cracheront à la figure. Il faudra avancer dans leur haine sur la charrette avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Alors, le supplice, c'est le lieu de torture. Mekan et Tadim. Et là, il y aura les gardes avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnées sur leurs cols raides, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils se feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement. Alors, je note un scrupuleusement, il y a à la lettre. Harfiyen, yani une fille d'honneur en mahavir, sans savoir si c'est bien ou mal, et souffrir. Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore, comme une voix aiguë. Alors, aiguë, il y a elle, saut elle. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Et on passe aux questions. Alors, en vous référant à l'œuvre, dont le texte est extrait, recoupez, complétez le tableau suivant. Donc, on a un tableau. Premièrement, on a le prénom et le nom de l'auteur, c'est Jean Anouilh. On a le genre de l'œuvre, c'est une pièce de théâtre. Vous avez le siècle, c'est le 20e siècle. Et vous avez une autre œuvre du même auteur, vous avez Eurydice par exemple, ou là la Sauvage, ou là l'Hermine, ou là le bal des voleurs. Alors, situez le passage par rapport à l'œuvre dont il est extrait, voilà une situation. Ce texte est extrait de la pièce théâtrale intitulée Antigone de Jean Anouilh. Il se situe dans l'exposition. Antigone a décidé d'enterrer le cadavre de son frère Polynice, malgré la loi qui l'interdit. Ismène, qui n'est pas d'accord, est venu la convaincre et la persuader de renoncer à ce projet. Now, ce texte est extrait de la pièce théâtrale intitulée Antigone de Jean Anouilh. Il se situe dans l'exposition. Antigone a décidé d'enterrer le cadavre de son frère Polynice, malgré la loi qui l'interdit. Ismène, qui n'est pas d'accord, est venu la convaincre et la persuader de renoncer à ce projet. Alors, quel est le personnage qu'Ismène et Antigone évoquent sans le nommer? Bien sûr, c'est Créon le roi. Tigoulou, il, lui. Relevez dans le texte deux noms renvoyant à ce personnage, bien sûr, Adna l'oncle ou Adna le roi. À quelle forme de phrase appartiennent les éléments soulignés dans le texte? On l'a vu tout à l'heure, c'est la forme négative. Je ne veux pas, il ne faut pas. C'est la forme négative. Alors, l'emploi de cette forme de phrase illustre l'une des caractéristiques de la personnalité d'Antigone. Quelle est cette caractéristique? C'est Gnagbila, c'est Antigone est une révoltée et donc il refuse de se plier à la loi de Créon. Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une voix aiguë. Ah, oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Quel est le champ lexical dominant dans ce passage? Bien sûr, ici, c'est le champ lexical de la souffrance. Alors, B relevé deux expressions appartenant à ce champ. Na, souffrir. Na, la douleur.
Donc, souffrir ou la douleur. Question 6. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Quelle figure de style est exprimée dans ces deux phrases? Je crois que c'est visible à l'œil nu, c'est une anaphore. Il fallait. À travers la dernière réplique, Antigone vise à toucher les sentiments de sa sœur lorsqu'il a dit « Comme tu as bien tout pensé », est-ce qu'il veut toucher les sentiments d'Ismène? Est-ce qu'il veut se moquer d'Ismène? Est-ce qu'il veut exprimer son accord avec le raisonnement d'Ismène? Retenez la bonne réponse. Et la bonne réponse, elle est bien sûr claire, c'est se moquer d'Ismène. Question 8. Je comprends un peu notre oncle. Transposez cette phrase au discours indirect en commençant par Ismène ajouta. Alors, on garde Ismène ajouta et bien sûr, on change la phrase entre guillemets. C'est une phrase déclarative dans Ranzido que. Ismène ajouta que. Alors le juge Kunawa c'est Ismène, quel? Alors comprend, c'est le présent, il devient imparfait, qu'il comprenait un peu. Alors notre oncle, c'est leur oncle. Donc voilà, Ismène ajouta qu'il comprenait un peu leur oncle. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Approuvez-vous cette affirmation d'Antigone? Justifiez votre réponse en une ou deux phrase. En une ou deux phrases. À mon avis, Antigone a raison de dire cela car des fois on ne doit pas trop réfléchir pour ne pas perdre le temps et rater une occasion. Lequel des deux personnages préférez-vous, Antigone ou bien Ismène? Justifiez votre réponse en une ou deux phrases. Est-ce que vous préférez le personnage d'Antigone ou bien d'Ismène? Voilà une réponse. Personnellement, je préfère le personnage d'Antigone car il a le sens du devoir et du sacrifice, deux valeurs qui ont commencé à disparaître de notre société. Alors, pour la production écrite, voilà le sujet. Suite aux nombreuses tentatives de suicide de jeunes personnes récemment rapportées par les médias, journaux, télévision et net, un journaliste déclare, si ces jeunes choisissent volontairement la mort, c'est parce qu'ils se sentent insuffisamment écoutés et abandonnés à leurs problèmes. Partagez-vous cette opinion? Dans un texte d'une vingtaine de lignes, vous exposerez votre point de vue en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. Et on termine avec l'examen régional d'Agadir 2012. Alors, le texte, donc nous sommes toujours dans le face-à-face, le premier face-à-face d'Antigone avec quelqu'un, c'est sa sœur Ismène. Alors, il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi. Ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Antigone, je ne t'écoute pas. Ils n'ont hurlant, n'a hué, il a crié, ouh, donc c'est un cri de colère. Alors, ils nous hurlant, ils nous prendront avec leurs 1 000 bras, leurs 1 000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront la figure. Il faudra avancer dans leur haine, sur la charrette, avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leur tête d'imbéciles, congestionnés sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal, et souffrir. Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore, comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien pensé, toute la nuit, pas toi. Si, bien sûr,
Ismaël, tu sais, moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse, Antigone doucement. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Il y a un silence. Ismaël demande soudain. Alors, je voudrais vous expliquer quelque chose de très important. Dans tous les face-à-face, le silence indique un changement de stratégie. Donc, Ismène a tenté une première fois de convaincre sa sœur, ça n'a pas marché, donc il va commencer à la persuader et à jouer sur ses sentiments. Ismène, tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Antigone murmure, pas envie de vivre, et plus fort encore, si c'est possible. Qui se levait la première le matin rien que pour sentir l'air frais sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu plus la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Antigone, Ismène a un élan vers elle, un élan et Nimchet. Ma petite sœur, Antigone se redresse et crie, ah non, laisse-moi, ne me caresse pas, ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Ismène baisse la tête, oui, Antigone. Sers-toi de ces prétextes. Alors, les prétextes sont mal à sers-toi de ces prétextes. Ismène se jette contre elle. Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Antigone, les dents serrées. Une fille. Oui, ai-je assez pleuré d'être une fille? Ismène, ton bonheur est là devant toi, tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Antigone, doucement, sourdement. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Alors, on passe aux questions. Alors, recoupez et complétez le tableau suivant. Alors, vous avez le titre de l'œuvre, c'est Antigone. Vous avez, bien sûr, l'auteur, c'est Jean Anouilh. Vous avez le genre, c'est une pièce de théâtre, et vous avez le siècle, c'est le 20e siècle. Et on passe à la deuxième question. En tenant compte de ce qui s'est passé avant ce passage, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. A. Créon a essayé une dernière fois de convaincre Antigone. Bien sûr, c'est faux. Alors, Créon. Alors, Créon n'est pas encore apparu sur scène. Antigone a déjà enterré le corps de Polynice. Oui, c'est vrai. Alors, la nourrice a surpris Antigone qui rentrait discrètement chez elle. C'est vrai. Ismène sait déjà qu'Antigone a enterré le corps de Polynice. Non, c'est faux. Donc, voilà les réponses. A, c'est faux. B, c'est vrai. C'est vrai. Ou D, c'est faux. Alors, de quoi Ismène cherche-t-elle à convaincre Antigone? Alors, Ismène cherche à convaincre Antigone de ne pas enterrer Polynice. Question 4. Relevez deux arguments utilisés par Ismène. Il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi. Ton bonheur est là devant toi, tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Alors, comment trouvez-vous Antigone dans ce passage? Elle est ouverte au dialogue, elle est hésitante ou là, elle est obstinée, plus décidée. Alors, elle est ouverte au dialogue? Non, parce qu'elle répond par dénégation. Elle est hésitante? Non. Donc, ce qui reste, c'est elle est obstinée, plus décidée. Azma, donc, Mosseva.
6 relevés dans le texte, 4 mots appartenant au champ lexical des sentiments. Le champ lexical des sentiments. Radilqa, bonheur. Ton bonheur est là devant toi. Ai-je assez pleuré? Donc, pleurer. Ou adna douleur. Ou adna souffrir. Ou adna haine. La haine ou Question 6 et 7. Ismen se jette contre elle. Qu'est-ce qui justifie l'emploi de cette didascalie? Qu'est-ce qui justifie l'emploi de cette didascalie? Ismène change de stratégie. Après avoir échoué avec des arguments, il joue sur les sentiments d'Antigone. Donc, Antigone, Ismène veut toucher les sentiments de sa sœur, veut jouer sur les sentiments d'Antigone. Il est plus fort que nous. La figure de style employée dans cette phrase est-elle une comparaison? Alors, est-ce que c'est une comparaison, une métaphore ou bien une hyperbole? Non, plus que, moins que, aussi que. Donc, c'est une comparaison. Alors, question 9. Antigone dit, je ne suis pas belle. Pour vous, qu'est-ce que être beau ou la belle? Justifiez votre réponse. Donc, est-ce que c'est la beauté physique qui est la plus importante ou bien la... Alors, pour moi, la beauté physique n'est pas aussi importante que la beauté morale de la personnalité, car des fois, les gens beaux sont insupportables. 10. Pour Ismène, une fille ne meurt pas pour ses idées. Êtes-vous du même avis? Justifiez votre réponse. Alors, je répète, pour Ismène, une fille ne meurt pas pour ses idées. Êtes-vous du même avis? Justifiez votre réponse. Voilà la réponse. À mon avis, cette idée est incorrecte car on connaît beaucoup de femmes qui sont militantes dans le domaine politique. Ainsi, elles s'exposent à des dangers graves comme la mort. Et on termine par la production écrite. Aujourd'hui, pour vivre en toute tranquillité, il faut éviter tout contact avec les voisins. Partagez-vous ce point de vue, développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. Voilà, c'était la fin de cette rencontre. J'espère que cette séance vous a apporté beaucoup de choses pour vous aider à réussir dans vos études. ما تنساوش ما تبخلوش علينا بواحد جيم واحد الكومنتير وعلاش لا فوز ابوني و تتكلموا مع الاصدقاء ديالكم على هذه القناة ودعموها باش نبقاو دائما في خدمتكم. الى اللقاء.